Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre qui est par moments triste, mais vous allez voir que ça finit bien. L'histoire s'appelle Le chant de mon arbre par Angèle Delaunoy et Pierre Houde. Le chant de mon arbre. À Guy, qui aime tant la musique des arbres. À Céline, arbre fragile à la magnifique musique. À Annick, dont l'amour est un si précieux cadeau. Ça, c'est les dédicaces. Alors, l'auteur et l'illustrateur, ils veulent dire qu'ils donnent ce livre à ces personnes. Au début, il ne chantait pas mon arbre. Il était beaucoup trop petit, bien abrité sous les fougères, pas plus haut que ma main. Il avait besoin de tout son souffle pour grandir. Il a déplié ses premières feuilles au soleil frileux du printemps. Dans la brise tiède, il a essayé quelques notes. Une abeille est venue lui tourner autour. Et c'est là qu'il a commencé à chanter mon arbre. Regardez comme il grandit. Et l'abeille qui tourne autour. Il est rendu grand déjà. Bien vite, il a dépassé les buissons, mon arbre. Vers le soleil, il a lancé ses branches. Au concert de la forêt, on ne l'entendait pas encore très bien. Pourtant, comme une petite aria de flûte, sa voix jeune et joyeuse accompagnait la mélodie du vent au rythme des nuages. Les premiers hivers, engourdis par la froidure, il gardait ses musiques pour lui seul, mon arbre. Il les inventait en silence, en imprégnant sa sève. Mais lorsque la neige se diluait goutte à goutte et que ses bourgeons dépliaient leur duvet, il jouait toutes les sonatines de la vie qui s'éveille. Alors pendant l'hiver, il ne faisait pas de bruit et au printemps, il faisait encore sa musique d'arbre. Dès que revenait le temps des nids, ça c'est le printemps, les mésanges lui faisaient la cour et s'installaient au creux de ses bras. Entouré de piaillements et d'envolées de plumes, il berçait doucement les œufs, mon arbre, et murmurait des berceuses aux petits oiseaux. Il a grandi longtemps, mon arbre. Il est devenu le plus bel arbre de la forêt. Au plein cœur de l'été, il était à lui seul un orchestre. Toutes ses branches, ses feuilles et ses racines jouaient les partitions de la grande symphonie du bonheur. En automne, il se sentait abandonné. Lorsque revenaient les gelées blanches, il se dépouillait de ses feuilles, les semant dans le vent une à une. Ses complaintes accompagnaient les oiseaux migrateurs. Il frissonnait de nostalgie, mon arbre. Il se sentait triste à l'automne. Sous les vents des grandes tempêtes, il grinçait comme un bateau dans la tourmente. Son tronc gémissait comme un mât en détresse. Ses branches craquaient sous la morsure du givre. Il pleurait le blues de l'hiver, mon arbre. Essayez de fermer les yeux, imaginez le son de cet arbre dans la tempête. Ça peut-être. Avec nous, il était toujours bienveillant et il accompagnait nos romances. On se balançait sous ses branches, on gravait nos cœurs sur son tronc. On sentait bien qu'il nous aimait, mon arbre. Mais c'est à qui, là? La personne qui écrit l'histoire. Il aurait pu vivre encore longtemps, mon arbre. Les mille voix qui l'habitaient nous semblaient éternelles. Mais un jour de ciel noir, la colère de l'orage l'a cassé en deux. Lorsqu'il s'est écroulé, foudroyé, le silence de la mort s'est fait tout autour de lui. Ça fait... Oh, ça fait de la peine, ça. Le miaulement de la scie nous a tous fait pleurer. Ses branches ont été dépouillées, l'une après l'autre, débitées en planches. Son tronc coupé au ras du sol.
De mon arbre, il ne restait qu'une souche d'où-dessus était encore la sève. Quand il n'était pas brisé, on ne voyait pas les champignons, puis maintenant, oui. Mm-hmm. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, parfois, il y a des nouvelles choses qui peuvent arriver. Là, moi, c'est ça. Ben, tu sais quoi? Grand-père s'est enfermé dans son atelier. Pendant des jours, il a joué du rabot. On ne comprenait pas ce qu'il faisait. Quand il sortait de son antre, couvert de sueur et de poussière, il fredonnait un air que je n'osais reconnaître. Regardez, est-ce que ça vous dit quelque chose, ces formes? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait, grand-père? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour mon anniversaire, il m'a offert une boîte. Lorsque je l'ai ouverte, j'ai trouvé qu'il avait bien changé, mais je l'ai reconnu tout de suite, mon arbre. Couché sur le velours, un violon n'attendait que mes doigts pour faire renaître ses musiques. Que c'est beau! Lorsque je touche le bois doré de mon violon, lorsque je pose ma joue sur sa robe vernie, lorsque je caresse ses cordes au crin de mon archet, lorsque la musique s'envole comme un alléluia, je sais qu'il n'est pas mort, mon arbre. Ça va me faire pleurer. Et voilà. Et là, il pose un...